lundi, c'est Pierre Brassard qui vous souhaite la bienvenue à En attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Avec moi, mes amis, mes collaborateurs, c'est mercredi, Jean-René Dufort en forme! Ah, écoute! Es-tu en forme? Pierre, regarde-moi à face puis prends des notes. Oh, je prends des notes tout de suite. Tant à la mort en forme! Prends des photos, fais ça chez vous! Excellent! Oh. Alors, place aux variétés Brassard! C'est toujours la triste situation au Moyen-Orient qui retient encore notre attention. En effet, ben, ce week-end, dans la ville de Cana, au Liban, ben, y a un raid israélien qui a fait plusieurs victimes des civils, dont une trentaine d'enfants. Et malgré ce grave fait d'armes, incroyablement, l'ONU refuse toujours de condamner ces gestes, les qualifiant plutôt de décevants, dommageables et autres synonymes écrémés, light et sans sucre, bigratrans. Alors, pour vous aider à mieux comprendre le lexique moumoune de l'ONU face aux tragédies, on a créé un petit aide-mémoire. Alors, à la maison, là, on va chercher un papier, un crayon, puis on commence tout de suite. Alors, okay. Bon, par exemple, quand un bombardement fait 10 victimes et plus, l'ONU trouve ça déplorable, donc seulement déplorable. Il déplore, OK? Alors, poing! À 50 victimes et plus, l'ONU trouve ça regrettable, donc on regrette, tout simplement. C'est regrettable. À 500 victimes et plus, l'ONU, elle regrette plus, là. Elle fait un air, puis elle dit... Ben là, là, hein, ça ça, c'est sévère, ça. Donc, on note à la maison, 500 victimes, air... Ben là, là, poing! Alors, ce n'est que pour 100 000 victimes et plus que l'ONU peut enfin dire, et je cite... Colin, là, c'est plate, on fait pas ça, c'est pas correct, hein? Oh! Bon, voilà, vous pourrez maintenant sûrement mieux comprendre l'ONU. Sur la scène nationale maintenant, ben, excellente nouvelle pour le fédéralisme. On s'est beaucoup plaint au cours des derniers mois que le Canada ne transférait pas suffisamment d'argent vers le Québec. Alors, le premier ministre Jean Jarret lui dit, et je cite... L'Ontario, elle nous donne même pas rien. Oui. Eh bien, ces revendications ont finalement porté fruit. En effet, on apprend que le quotidien The Gazette nous apprenait ce week-end que 150 000 tonnes d'excréments de l'Ontario seront exportées au Québec pour être traitées chez nous. Hey, c'est-tu pas un beau cadeau, ça, des trucks remplis de kika ontariens juste pour nous autres? Alors, si avec la péréquation, on nage encore en plein déséquilibre fiscal, on peut maintenant dire qu'on a bel et bien l'équilibre fécal. Alors, à la suite de cette nouvelle... L'Ontario a décidé de changer le slogan de sa populaire campagne de publicité, le Toarino, ceci. Et à noter, la dernière fois que le Canada nous a envoyé ses déchets, c'était ceci. Et voilà, nouvelle internationale maintenant. Bouleversement du côté de Cuba cette semaine. Une page d'histoire est en train de se tourner du côté du pays du cigare et des tout inclus. Le président Fidel Castro file pas fort et a remis le pouvoir à son frère, n'est-ce pas, Jean-René Dufort? Ben, oui. C'est ça. Ben, j'invite à ne pas tuer le Castro avant de l'avoir opéré. Parce que souvent, dans les journaux ce matin, on s'est rendu compte qu'on le tuait peut-être un peu trop vite. Et je dis à la population, faites attention, parce que Fidel Castro est un homme extrêmement tenace, rigoureux, et il est fait fort en maudit. Âgé, mais solide. Il va avoir 80 ans le 13 août. 80 ans. D'accord. Et il est extrêmement en forme. Écoutez... Bon, il sort pas souvent. Il a été remplacé là, par son frère Raoul. On peut le voir, Raoul. Raoul! Ici, ouais. Donc, c'est Raoul Castro. C'est l'homme à droite. Bon, on voit pas le même charisme, hein, quand même. Non, ce n'est pas la même prestance. Ouais, c'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Exactement, dans les jumeaux. Donc, c'est Raoul qui va prendre la relève. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Mais Fidel va revenir assez vite, vous savez, parce que Fidel aime ça rayonner, aime ça faire parler de lui. Ben, vous savez, il n'est pas sorti très souvent, Fidel. Et la dernière fois qu'il est vraiment sorti à l'extérieur de l'Amérique latine, c'est quand il est venu au Canada. On l'a vu, d'ailleurs, c'est une des rares fois qu'on l'a vu sans son habit kaki. C'était pour... En hommage à Pierre-Éliott Trudeau. Ben oui, à son décès en 2000. Et là, vous allez me poser la question, Fidel Castro, est-ce qu'il est si peu en forme que ça? Bon, ça se peut. Mais Fidel Castro avait, d'ailleurs, la moyenne de temps des discours de Fidel Castro, c'est combien? Ben, c'est assez long, là, paraît-il. Fidel Castro adorait faire des discours très longs. On parle de discours de 13 heures et de 8 heures de temps de parler de révolution. Une population otage. Et on le soupçonnait un peu fatigué parce qu'en Argentine, dernièrement, il a fait seulement un discours de 3 heures. Ah! Oui, alors, il était peut-être un peu fatigué. Combien de tentatives d'assassinat Fidel Castro a subi?
Vingtaine. Ben là, on en a entendu parler. 637 tentatives d'assassinat. Écoutez, la CIA a rivalisé d'ingéniosité pour essayer de l'assassiner. Écoutez ça, ils ont placé des explosifs dans son cigare. Oui, ils ont donné des cigares avec des explosifs. Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est vrai. Là. C'est vraiment répertorié. Ils ont empoisonné ses cigares. Ils ont donné des cigares empoisonnés. Et la légende dit qu'ils ont fumé puis il ne s'est rien passé. Les agents de la CIA se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils ont, ça, c'est très drôle. Ils ont mis du poison dans ses souliers à Fidel Castro parce qu'ils ont dit qu'avec avec le contact cutané, il allait mourir. Okay. Ils ont mis, ils ont voulu faire tomber sa barbe. Oui, ils donnaient un produit pour faire tomber sa barbe parce qu'ils se sont dit que ça va le discréditer. Plus de barbe, plus personne comme ça, plus Fidel Castro. Qu'elle ne repousse jamais. Ouais. Ça, c'est très drôle parce que Fidel adore la plongée. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de lui donner en cadeau, la CIA, une espèce d'habit de plongée avec une bonbonne empoisonnée avec plein de poison dedans. Et ils se sont dit, quand il va respirer ça, il va aller dans l'eau, il crève, c'est sûr. Et pour être sûr qu'il meurt, et ça, c'est vraiment vrai, comme dirait C'est de la vraie information. Oui, ils ont vraiment construit un coquillage avec une bombe dedans. Et ils l'ont déposé au fond de l'eau, là où, superbe coquillage, là où Fidel allait se baigner, faire de la plongée. Okay. Et ils se sont dit, il va le prendre, il va le ramener chez lui, puis là, ça va péter d'aplomb. Ah ouais. Oui, et ils ont essayé aussi d'y donner du LSD dans un discours, pendant un discours, pour qu'il vire fou, il dise n'importe quoi. Mais c'était comme la discrédité. Ça arrive souvent à Jean Charest, et on l'a lu sans problème. Ben oui. Donc, et c'est, ça explique peut-être pourquoi il est un peu parano. Et selon son garde du corps, il brûle ses sous-vêtements, sont brûlés systématiquement après chaque utilisation. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, chaque soir, il jette ses bobettes. On peut voir des images en terminant. C'est quand même un gars qui est encore très en forme. C'est un bout en train. Bon, vous le voyez ici, il est en train de faire mine de jouer au baseball pour l'équipe cubaine. Il jouait au golf avec dans le temps. Avec le Che. Oui. Donc, et puis, il est encore... il aime la féfille encore. Ça, c'est ton imitation d'un petit parfum. Oui. Ben, merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci. Nouvelle culturelle internationale, et bien en Australie, le peintre Tim Patch est la nouvelle coqueluche de la Sydney Sexpo qui est ouverte jeudi. Alors cet artiste a la particularité de peindre ses toiles, non pas avec un pinceau, mais plutôt avec son pénis. Alors c'est magnifique ses œuvres. Alors voilà enfin un homme qui, c'est vrai, se trempe littéralement un pinceau. Ouais. Alors un exploit remarquable, mais pas autant qu'un artiste de chez nous, un dénommé Paco Brisebois de Saint-Jean-Port-Joli qui, mieux que peindre, sculpte avec son zouizoui. Alors on l'observe à l'œuvre, vraiment exceptionnel, beaucoup d'émotion et de concentration dans son travail. Très efficace. On dit que c'est un véritable Michel-Ange de la Verge. Alors c'est très très, on va pouvoir admirer l'œuvre. Waouh, c'est très beau. C'est magnifique. Magnifiquement gossé, comme on dit. Bravo, là-dessus, on enchaîne avec les nouvelles de l'autre bord. Ben ouais, c'est ça, bon, toi, c'est François Paradis là, qui est là. Alors, des tonnes de courriels sur le sujet du jour. Hein, ça vous tente d'en parler, ben, on va en parler ensemble. Là, ici. C'est le conflit du Liban. Alors, regardez-moi ça. Là, regardez tous les courriels que j'ai ici. Là, j'en ai un de Zinette, là, par exemple, qui nous arrive ici, eh ben, qui tient à se prononcer là, sur le conflit au Moyen-Orient, malgré le fait qu'elle ne sait pas partir. C'est où, le Moyen-Orient? Et que, ben oui, c'est ça, il y a du Normand. Place, hein? Ben oui. Alors, la seule sauce qu'elle connaît du Liban, c'est Mario Pelcha. Alors, ben Ginette, là, comme vous, madame, monsieur, elle veut savoir pourquoi Stephen Harper appuie autant Israël. Alors, on va tout de suite rejoindre l'honorable Stephen Harper là, qui est avec nous. Hein? Monsieur Harper, bonsoir, ça va bien? Merci. Monsieur Harper, là, répondez donc au courriel de Ginette. Là. Êtes-vous trop pro-Israël? Absolument pas, Ginette. C'est pas vrai, ça, bon. Ginette. Hein? Non, Ginette. Bon, ben, parfait, il l'a dit. Mais là, vous êtes où exactement? Un bar mitzvah. Un barbecue. Et là, je joue à le faire à cheval. Ah, mais mon Dieu, mais c'est des bagels, ça, c'est drôle, c'est funny. Écoutez, on reçoit plein de courriels, là. Il y a encore un de Zinette d'Issoudun qui veut savoir, vous mangez quoi à votre barbecue pro-Israël? Qu'est-ce que vous mangez, M. Harper, hein?
Du Libanais. Ah, ben oui, t'es très bon. Mais je tiens à dire à Ginette que ma position est claire. Ben oui, je ne suis pas aveuglément pro-Israël. Ah bon? Un instant, le soleil est très fort. Là. Passe-moi mon chapeau. Ben oui, allez-y. Bon, alors, monsieur Harper, ben merci d'avoir été avec nous. D'ailleurs, on a plein de courriels de gens qui disent justement, là, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Ben ça, c'est un courriel qui nous vient du Saguenay. Alors, c'est merci, car j'accepte toujours les invitations du Québec. À moins que ce soit pour assister aux événements sportifs homosexuels. Ah, ben justement, là, je reçois plein de courriels là, qui veulent savoir. Pourquoi vous n'êtes pas allé au World Games, hein? Pourquoi? C'était pour être encore plus solidaire avec le Québec, car comme tous les Québécois, moi aussi, je ne suis pas allé voir les World Games. Et quel beau message d'unité, car dans les estrades vides, nous sommes tous pas là. Il n'y a ni Canadien français, ni Canadien anglais. Bon, ben merci, M. Harper. Au revoir. Shalom. Bon, ben c'est Stephen Harper. Ça s'est bien passé, l'émission. Après la pause, là, on a un excellent sujet. Achetez-vous ça, vous, Mme, Monsieur Désigné. On veut savoir si en achetant ça, on se fait avoir. À tout de suite, Mme, Monsieur. Ben oui, le son de l'équipe. Incroyable ce qui se passe de l'autre côté. Oui, hein? C'est incroyable. Eh bien, une étude faite auprès de 80 000 personnes a révélé que les Danois, ben oui, étaient le peuple le plus heureux du monde. Alors, pour élaborer sur le sujet et connaître le classement du Canada en matière de bonheur, voici Chantal Lamarre. Eh bien, Guntak, les bons hommes. Pardon? Guntak, c'est bonjour en danois. Ah, moi, bonjour. Je porte, ben oui. Pays du Lego et du Casphoné. Oui. De Viking. Oui, il y a une étude britannique assez exhaustive qui a vraiment investigué 170 pays et qui a établi une carte mondiale du bonheur. C'était des données comme l'accès à l'éducation, la santé, la richesse et l'état général. La recette du bonheur. La recette du bonheur. Et qui est arrivé premier au classement? Le Danemark. Laissez-moi aller vous situer le Danemark sur la carte. Petit pays. Parce que j'avais justement envie de me déplacer. Scandinave, oui, elle bouge bien. C'est là aussi. Juste c'est au-dessus, là. Un petit peu. C'est la petite affaire. OK, on le voit. On le voit très bien. En haut de l'Allemagne. Revenez, Chantal, on est très bien situés. Donc, eux sont heureux. C'était surtout pas pour vous montrer mes fesses. Danemark, premier au classant, suivi de la Suisse, de l'Autriche, de l'Islande, des Bahamas. Oui, vous vous demandez où était le Canada? Où était le Canada? 10e position. 23 pour les États-Unis. Et puis la France, 62. Fait que la prochaine fois, vous recevez des Français plates, là. Hein? 10 contre 62 quand même. Et l'espérance de vie au Canada est de 80 ans. Comme fidèle. Comme fidèle. Ben oui. C'est un des plus hauts au monde, sauf au Japon. On nous bat, c'est 82 ans. Alors, au Japon, ils sont en 90 au classement. Quand même. Ça donne juste 2 ans, manger des sushis. Bien, 2 ans de plus, ça dit qu'il n'y a rien de bas qui va être fait. Au Japon, par exemple. Oui, alors, on a trouvé les facteurs du bonheur. Et puis, moi, je me dis, on pourrait vivre comme au Danemark. Je fais appel ici à nos élus, au gouvernement conservateur. Ceux qui rentrent de camping sont en train de ranger leur poêle au gaz dans le sous-sol. Écoutez-moi, parce que ce serait si simple, messieurs, d'être aussi heureux qu'au Danemark. Il faudrait commencer par éliminer la petite vermine puis les truands parce qu'il n'y a pas de vol au Danemark. Ou pratiquement pas. Okay. Tu n'attaches pas ton vélo. Tu peux laisser ta commande d'épicerie comme ça sur le perron et tu peux même laisser ton bébé dans une poussette devant le restaurant. C'est-tu pas beau? Moi, je me suis fait voler ma couronne de Noël encore l'année passée. Oh mon Dieu! Quand même. Tout un contraste. Oui. Ben, parlant de bébé, justement, tout le monde en fait? Parce que les gars ont 12 mois de congé parental payé. C'est quand même quelque chose. Et les filles ont un congé payé pendant 6 mois et ensuite un an de 70 % de leur salaire. Moi, j'irai en faire un autre tout de suite. Et c'est aussi un pays vert. On a vu le porteur à bébé, hein? Le gars se promène avec le bébé devant lui. Oui. OK, là-dedans. Là-dedans! Il y en a partout là-bas au Danemark. Ben oui, j'attendais juste que tu me dises que tu étais allé. Moi, tu es allé, Jean-René, bien sûr. Le Schtroumpf-Valina est allé. 5 % des taxes vont aller à l'environnement. Et puis tout le monde est à vélo. Avec une piste cyclable dans les deux sens. Alors, il n'y a pas de bouchon de circulation non plus. Qui dit bicyclette, dit quoi, Jean-René? Dit vélo. Vélo et foufoune d'acier. Ah. Alors, c'est là que je vais venir. Tout le monde est beau au Danemark. Tout le monde est beau. Ah, ben oui, joli peuple. Blond, très grand. Très grand, très mince. Femmes, pourquoi mince? Parce qu'on mange des sandwichs avec juste une face. D'ailleurs, c'est ça. J'aimerais qu'ici, on commence aussi à enlever le cap sur nos hamburgers dès demain pour essayer de trouver la sveltesse des Danois. L'architecture est splendide, n'est-ce pas? Veux-tu valider, Jean-René? Tout est beau là-bas. L'architecture est splendide. L'aéroport du Bois-Franc. L'aéroport Plancher de Bois-Franc, la résidence de Gaguerre. Il m'a dit souvent que tout était beau, mais moi, j'ai vu ses chemises depuis 6 ans.
temps. Et puis, mais... Hey, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais on a reçu du blé d'Inde. Il y a quelqu'un qui aimerait ça que tu gruges. Ah, alors voilà. Ça, ouais, ouais. Oh, maintenant, voilà, merci. Ça fait du bien. OK, parfait. C'est bon de l'OGM. Ben, donc, on poursuit. Mais, oui, on poursuit. En rafale, d'autres bonnes raisons. Ils n'ont plus Gagliano comme ambassadeur là-bas. Non. Ils font d'hilarantes caricatures de Mahomet. Il fait moins 5 au mois de février, le mois considéré le plus froid là-bas. Ils ont 4 ans d'assurance chômage, 5 semaines de vacances et jusqu'à tout récemment, la bière Carlsberg est encore livrée avec un cheval avec des grosses pattes de poêle. Oh, quand même, c'est bien ça! Contrairement ici, hein, où c'est toujours un demeuré qui vient nous livrer ça. En une bicyclette à trois roues. Merci beaucoup, Jean Talamant. Guntak. Merci, Guntak, Guntak. Eh bien, nouvelle culturelle, l'Italie a couronné la semaine dernière Miss... Cuccio Conard, enfin, qu'on pourrait traduire en français par Miss Rototoun 2006. Véritable concours, il s'agit de Giovanna Guidoni. Ah. Et à la surprise générale de personne, Mme Guidoni est propriétaire d'un restaurant où, paraît-il, on met même du beurre sur les cartes de porte. Alors, on a très, très hâte au couronnement de M. Totoun 2006, dont on voit d'ailleurs les 5 finalistes. Ah, moi, si j'avais à parier, je mettrais peut-être un petit 2 sur le petit gros en jaune ici. Ouais. Imbattable au défilé en maillot de bain. Eh bien, nouvelle agricole, ça y est, le mois d'août est arrivé. Ben, c'est le temps des récoltes, surtout pour les amateurs de cannabis. La police, cette année, projette une production record de marijuana. Alors, pour nous parler de ce fléau fumant, on rejoint nos spécialistes du joint, à commencer par M. Claude Poirier. Jessica. Premièrement, le cannabis, je ne sais pas c'est quoi. Alors, je vais parler de potes plutôt. Et des fumeux de potes surtout, c'est-à-dire les tartistes. C'est leur faute et je vais nommer des noms aujourd'hui. Jean-René Dufort, ce tweet, un gars pas capable de mettre 2 souliers de la même couleur. C'est pas un dalmatien, c'est un drogué. Et qu'est-ce qu'en pense André Boisclair? 10-4. Écoutez, je tiens à souligner la qualité exceptionnelle du pote québécois, québécoise, un pote rassembleur, rassembleuse, qui souligne le fort, la force de nos agriculteurs, agricultrices, vite qu'on le légalise, vite qu'on le nationalise. Après Hydro-Québec, place à Hydroponique Québec. Alors, je cède la parole à Caroline Néron. Caroline Néron, Néron, envoyez déferle ma chérie. Écoute-moi bien, le jeune. Je veux pas que tu prennes de la drogue. Si jamais je te pogne en train de fumer du pot, je vais te tuer. I'm gonna kill you. C'est-tu clair? Pas. Puis si tu vois mon CD, je vais t'étouffer avec. Parce que je vous le dis, les jeunes, je peux en tuer une méchante gang. Parce que dans mon warehouse, il en reste 100 000 copies. Fait que qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, toi? Viens à la pointe. Dans la forêt des champs de blé, il y a une plante qui est mal aimée. Du cannabis, je vais m'en fumer. J'ai envie de griller, cornichon, hot dog, steamé. Et pour m'aider à digérer, je me lève pour aller danser. La 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 la. Quitte à peu près tout ce qui s'est passé, de retour après la brasseuse de Néné. Avec Jean-René et Chantal. D'abord, Chantal. Ben, je vais vous faire connaître finalement la danse de l'été et je reçois l'humoriste, comédien, animateur Alex Perron. Oui, Jean-René! Ben, moi, je vais jaser de dopage d'athlète avec le journaliste sportif qui connaît tout sur la piqûre dans les foufounes, M. Robert Frozzi, et je vais essayer et probablement réussir de faire décoller enfin une maudite fusée. Oui, me semble, oui. Alors, restez avec nous après la pause. Tout ça en attendant Ben Laden! En attendant Ben Laden, je bloque le chemin en attendant Ben Laden. Comme des millions de Québécois, ben cette semaine, au lieu d'aller porter un ventilateur à ma tante Georgette qui crève de chaleur, ben j'ai perdu mon temps sur Internet. Alors voici des perles que j'ai recueillies pour vous, mes chers amis. Donc les antennes, catégorie garde ta job de jour. On connaissait au président américain des talents de président. Oui. Mais voilà-t-il pas qu'au dernier sommet du G8, ben il se découvre un talent de massothérapeute. Vraiment? Alors c'est qui la chanceuse qui en profite? C'est la chancelière allemande Angela Merkel. Ouais, encore un petit coup. Elle adore. Elle adore.
Catégorie maintenant, méchant lapsus. Alors, voici un extrait d'une chanson de Sheila, qui est l'icône de la chanson française des années 60, celle de Monique Giraud. Alors, titre de la chanson, elle doit chanter « Ne fais pas tanguer le ballon ». Ici, tout va bien. À un moment donné, elle est supposée dire, dans les paroles, « Jamais de détresse ». Mais elle se trompe et elle dit plutôt « Malgré les tapettes ». C'est un peu différent. Méchant lapsus, il y a une marge, on vérifie. Avec beaucoup de conviction, il faut le dire, elle est prête pour le spectacle de fermeture des Hard Games en fin de semaine. Oui. Alors, catégorie meilleure chance la prochaine fois, ben on a appris récemment qu'il y aurait un Star Academy américain. Alors, on risque de voir des Américains trop parfaits. Puis, en attendant Ben Laden, ne nous intéresse pas. On préfère les pires candidats refusés à la version française d'American Idol. Regarde ça. Lost in a river by Saturday tonight, far away off the other side. Beanie Jean, not my love, she just a gun. I am the one, but the kid is not my son. Get up, get down, get up, get down. We got checkers, stand now, better every day. She wants it. Get up, get up, is it true? Get up, shake your body. Now let them come here, hear him, hear him, hear him, hear him, hear him. Je suis malade. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Bravo, bravo, Tony. Très bon. Alors voilà pour les antennes. Notre premier invité ce soir, ben, c'est un homme de sport qui mange du sport. Bref, un gars qui n'a pas peur d'un bol de chips. Il est là pour parler avec Jean-René de dopage. Accueillez le journaliste de la radio de Radio-Canada, M. Robert Frozzi. Bravo. Monsieur Frozzi, bonsoir. Bonsoir, Jean-René. Je suis très heureux de vous parler de ça parce que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Bon, il y a Monsieur Floyd Landis, gagnant du Tour de France, qui s'est fait attraper. Bon, on va voir si l'échantillon B va confirmer. Il y a aussi des gens du Tour de France. Et puis, juste un instant, je voulais juste penser avant, parce qu'il y a Pierre Brasseur qui va aller vous porter un petit pot, parce qu'on a décidé de... Non, non, mais on a décidé vraiment que chaque invité d'En attendant Ben Laden devrait passer un test d'urine. C'est important pour les gens. On va vérifier ça. Oui. Des résultats, ben, donc, pendant les questions, j'aimerais ça si vous pouviez faire un petit pipi. Les résultats seront dévoilés au téléjournal. Oui, les résultats sur le téléjournal. Bernard. Et je voulais juste vous demander, est-ce qu'on en trouve plus parce qu'il y en a plus ou on en trouve plus parce qu'ils sont tous drogués puis on les attrape? On en trouve plus parce que peut-être que les chercheurs et puis qui vont dans les éprouvettes arrivent maintenant à mettre au point des tests qui commencent à être de plus en plus fiables. Puis la preuve, c'est que les meilleurs sont tombés il y a quelques jours. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on en trouve plus, mais il y en a encore beaucoup. Mais le tour, ça... fantastique. On a sacré dehors à peu près tout le monde. Même le gagnant est testé positif. Est-ce qu'à un moment donné, on va devoir se dire, ben, sont tous drogués, il n'y a rien à faire. Dans 10 ans, j'ai l'impression qu'on va parler de la même chose. Non, ils ne sont pas tous drogués, mais c'est vrai que, comme disait par exemple, c'est justement un ancien soigneur qui avait été attrapé en 98. Il va falloir peut-être mettre sur le podium, comme on fait en Formule 1, on fait monter le directeur technique et le directeur sportif. Ben là, il faudra peut-être faire monter le médecin, celui qui est autour, ou alors carrément le directeur de l'équipe. Parce qu'effectivement, de plus en plus, au Tour de France, on s'aperçoit que si on veut grimper, en tout cas, ce que nous disent tous les anciens dopés qui se sont fait attraper, eh bien, malheureusement, encore aujourd'hui, eh bien, si on veut grimper plus vite que tout le monde dans les montagnes, eh bien, il faut encore prendre des choses qui vont nous aider à aller plus vite, quoi. Mais mettons, je suis un athlète, là, mettons. Est-ce que je peux, moi, me droguer en cachette de tout le monde, mon entraîneur, mon équipe et tout le monde, de vraiment seulement moi? Ça, c'est de plus en plus difficile. C'est sûr qu'il y a encore des entraîneurs qui vous diront, c'est difficile. De
l'athlète, quand on voit tout le travail technique, tout le travail au niveau de la musculation, tout le travail au niveau de la préparation et de l'entraînement, c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui de ne pas voir un athlète se transformer. Quand on voit les athlètes qui prennent 30 livres dans un été pour arriver à un camp d'entraînement, c'est sûr qu'on devrait peut-être s'interroger en se disant il n'y a peut-être pas que la musculation ou que la plage qui a amené ça, quoi. Mais dans le cas des... on crucifie souvent quand on attrape un athlète, on crucifie l'athlète médiatiquement, mais on ne devrait pas. Moi, j'aimerais ça voir la photo de l'entraîneur de Floyd, parce que si c'est une équipe et si tout le monde est partenaire là-dedans, moi, j'aurais l'impression qu'on devrait crucifier l'équipe et non pas juste le professionnel. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on crucifie bien la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire l'athlète, mais il va falloir peut-être s'intéresser de plus près à tout le réseau qu'il y a autour, parce que toutes ces drogues, il faut quand même aller les chercher. Il faut les ramener aussi. Il y a des pourvoyeurs. Il faut aussi les doser. Il y a aussi des médecins autour de tout cela. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, dans certaines équipes, eh bien, il y a des médecins préparateurs. On sait exactement aussi, dans certains réseaux, qui sont les médecins. Il y en a qui commencent à tomber, justement, parce que ce sont les préparateurs physiques. Alors, ça demande des longues enquêtes. Il y a les polices en ce moment. Il y a des pays qui ont commencé à judiciariser le dopage, comme l'Italie, par exemple. Et on commence à faire des descentes de police, des vraies enquêtes, des vraies investigations, puis arrêter autre chose que les athlètes, quoi. En terminant, deux questions en rafale. Est-ce que dans les couches de pipi, quand on met du pipi bleu, ça, c'est signe de dopage? Quand on met du pipi bleu, est-ce que non, c'est... Oui, dans les publicités. Ouais, je ne pourrais pas vous aider complètement là-dessus. Non, okay. Ma connaissance des couches est assez limitée. OK. Et en terminant, est-ce que dans les hot games, ça se drogue? Oh, ben écoutez, je ne sais pas, mais je sais que les tests antidopage dans les hot games n'existent pas. Je pense que ça serait peut-être laid si ça devait commencer à exister, oui. Ben merci beaucoup d'avoir été là. Ben c'était plaisant, l'invitation. Merci. Merci. Merci, Robin Frozzi. Eh ben c'est temps d'une petite pause et au retour, Chantal Lamarre nous initie à la danse de l'été. À tout de suite, en attendant Ben Laden. Ça va danser, ça va être... En attendant Ben Laden, je me fais manger par les mouches. On enchaîne maintenant avec le nouveau jeu favori qui passionne le Québec. La réponse est dans la question. À faux plétaïde! Alors, le jeu est très simple. Il y a un journaliste ou un animateur qui pose une question brillante à son invité et nous, on tente de deviner la réponse. Bon, on n'essaie même plus parce que je pense que jusqu'à présent, n'est-ce pas, réaction? D'accord, ça va. Alors, on regarde attentivement la question de la semaine. C'est une question d'actualité qui est posée au nageur Mark Tewksbury. Oui. Tewksbury. On écoute ça. Tu sais, il est connu, là. Est-ce que le sport est un des domaines où il y a encore beaucoup de tabous par rapport à l'homosexualité? Est-ce que le sport est encore un milieu où il y avait que beaucoup de tabous face à l'homosexualité? C'est pas facile. J'en ai tant d'une réponse. Écoute, difficile question. Moi, je pense qu'il va répondre ben non. Quoi de plus ouvert d'esprit qu'un joueur de hockey avec un secondaire 2? Chantal. Je pense que tu l'as! Oui, Chantal. Moi, je pense qu'il va répondre ben non. Parce que ça, je prends ça personnellement. Moi, dans mon équipe de ringuettes, là, on prend toujours une Laurentide, 50 filles dans la même salle de motel. OK. Puis tout se passe bien. Tabou, non? Bon, ben parfait, on garde ça. Donc, à la question, est-ce que le sport est un milieu avec beaucoup de tabous face à l'homosexualité? Donc, A, non, des Cro-Magnons qui patinent sont accueillants, ou peut-être B, ringuette Laurentide. On écoute sa réponse, on se croise les doigts. C'est peut-être cette semaine. Est-ce que le sport est un des domaines où il y a encore beaucoup de tabous par rapport à l'homosexualité? Absolument. Oh, encore une fois, vous avez été déjoué. Quelle surprise. Voyons. Eh bien, on change. On change rapidement de sujet. Voici une femme qui aime la danse sans poteau, mais avec beaucoup de contacts. Oh. Chantal Lamarre, en toute humilité. Je suis pas fou, je t'entends dans ma présentation, j'ai dit le mot danse de l'été. Oui, tu as dit le mot danse parce qu'on est début août et a-t-on trouvé la danse de l'été cette année? Non. Je ne croirais pas. Ouais. Ben oui, tout le monde se fait aller la vésicule biliaire là, sur la chanson de Shakira. Oui, est-ce que c'est la. Pas.
Trop difficile? Ben non, ben trop dur. Pas faisable. Non, ce n'est pas ça une danse de l'été. Une danse de l'été, pour en être une, véritablement, il faut qu'elle soit festive, il faut qu'elle soit avec une tonalité un peu yéyé ou un petit peu latino. Il faut qu'elle soit reprise dans les noces du monde entier, comme là, on voit la Macarena. Ah, ben oui. Ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça parce que c'est un enchaînement de mouvements facile à intégrer qu'on peut même faire bien chaud d'ail. OK, alors, okay, oui, oui, oui. Ça, c'est le genre de danse, tu sais, que le mononcle, ça lui permet de se frotter un petit peu l'entrejambe et la ma tante, après trois verres de vin, d'exprimer encore toute sa sensualité. Ça, oui, ça ce sont des danses de l'été. Oui. Bon, juste comme ça, je vais vous rappeler des artistes qui n'ont jamais eu de chansons qui sont devenues danses de l'été. Qui? Ben, par exemple, pauvre Léo Ferré, il est mort sans connaître ça. Ah, Patricia Cass. Les Oribas. Yeah. Non, pas danses de l'été. Là-dedans. Isabelle Boulay non plus. Non. Moi, danse de l'été. À venir, peut-être. Oui, oui, oui. Les danses de l'été, c'est plutôt le Mambo No. 5. Ah, la, oui. La Lambada, la danse des canards, Agadou, YMCA. Oui, et plus récemment, vous souvenez-vous du trio qui chantait The Ketchup Song? Oui, Las oui, Ketchup. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Tu sais, les trois pétards espagnols là, qui testaient la solidité de leurs nouveaux implants mammaires sur la plage. Oui. Enfin, c'est toujours des histoires assez faciles, tu sais. C'est toujours un mec là, qui voit une fille passer pendant qu'elle passe la digidi digidi digida. Ça y fait aller le digidi digidi digido. C'est bon, et c'est ça. Facile, c'était très bon parce qu'on chantait sur des rythmes enlevants et des paroles faciles comme assez léger, j'ai da de GB, des tout de Jerebe, sur Bonova, ma javi and the biggie. And the biggie, biggie, biggie. C'est facile à retenir. Oui. Ça veut dire quoi? Fouille-moi, ça, je m'en souviens pas. On les a jamais revus en passant, après. Non, pas on nouvelle, les a pas nouvelle d'elle. Mais moi, je me dis, on est rendu en 2006 et la danse de l'été se doit d'être différente, c'est-à-dire une danse un peu consciente, un petit peu sensible. Oh. Alors, ce soir, en primeur, allez les mecs, on parle à boum, on va vraiment montrer en primeur la danse de l'été. Bon, bon, on t'accompagne, bon, on garde le veston. Regardez vos vestons. On garde le veston, gardez on accompagne Chantal. Bon, alors, OK. Bon, podium. C'est inspiré des différents moments de l'actualité qui sont forts. Par exemple, la première danse de l'été, c'est la thermopompa. Ah, oui, c'est quoi? Ben oui, la thermopompa, c'est l'engin nous lâche. Comme ça, il fait 45 degrés. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des coups de pied dedans avant d'écrire une lettre à la facture pour se faire régler. Alors, c'est inspiré des mouvements de Sheila ici, ah, qui oui, donne des coups de pied dedans. Oui, okay. Très gracieuse et qui, à un moment donné, ne sait plus quoi faire. Il y a un petit mouvement comme ça. Alors, on va essayer le mouvement. Donc là, on répète, c'est sans musique. Oui, c'est la danse de l'été. Oh mon Dieu, le beat. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. OK, on est la deuxième danse de l'été. Ça va, les mecs? Oui, ça va. C'est la outgame-ita. Ben oui, pour célébrer les outgames. C'est en primeur parce que ce sera la danse de la fin pour la cérémonie de clôture. Ah oui, on l'a alors, c'est inspiré de la danse de Ginette Sage qui dansait le kangourou. Okay. Alors, les mouvements sont simples. OK. Allez au toit, tu viens de la Nouvelle-Zélande. Oui. Je suis contente. Okay. On rencontre d'autres gars et suivez-moi. C'est assez simple, tout donc, ça. Donc, parfait. Hein? Deuxième, oui. Ça, c'est le deuxième mouvement c'est qu'on intègre. Le mouvement qu'on intègre. Okay. La troisième, c'est la Hezbollah, inspirée d'une danse de Claude-François. La Hezbollah, bien ça, c'est une danse avec des mouvements qui viennent aussi d'anciens arts martiaux. Et c'est du contact et c'est du « j'évite les bombes ». OK, alors, parfait. On va essayer donc, c'est très astucieux comme mouvement. Alors, tout le monde, on commence à faire le mouvement de Claude-François. Oui. OK, on l'a bien. Donc, troisième mouvement bien c'était intégré. C'était le troisième. Et la dernière, bien ça, c'est la danse de l'été. C'est la noce moquenita. Parce que on est dans un restaurant et qu'on ne peut plus fumer, on s'endure plus à l'actualité. Il y a des actualités. Oh, c'est inspiré de qui, ça? Ça, c'est inspiré d'une madame dont on se souvient même plus le nom. Donc, tu vas le faire. Attention, tes dents. On veut-tu un coup de main? Tes dentiers. Bon. Bravo. OK, quatrième mouvement. Alors, le quatrième mouvement. OK. Si vous voulez bien, les garçons, on va enchaîner le tout sur une musique déchaînée. Tu alors, vous aider? Pour tous, bien sûr. Alors, on répète. Ça commence avec la thermopompa. Okay. Musique. OK. Bravo, ensuite, bon. La haute gamita. Ah oui, ça c'est... Allô? Allô? Ça va? OK. Ensuite, c'est la Hezbollah. Ah oui. Oh, c'est ta meilleure, ça, Pierre. Et ça finit avec la noce moquenita. Bravo! Merci, Chantal! Revenez-nous après la pause! Après la pause, il y a le laboratoire du fort! En attendant même de la denne, je regarde les fesses des athlètes au Hot Games. Eh ben, nous voici.
voici rendu au segment qui, chaque semaine, fait dire à Hubert Reeves, apporte-moi le jus de pruneau puis les carottes congelées, parce que si lui peut faire de la science, moi, je peux neiger, j'en arrange. Jean-René Dufort et son laboratoire. Alors, Jean-René, c'est ce soir que ça se passe. Faut que ça parte. Non, oui. Ça va partir, ça va marcher. J'ai décidé de jouer safe. On va jouer avec de l'eau aujourd'hui. OK. Oui, alors, je vais commencer avec quelque chose de très simple. Bon, vous avez tout fait chez vous. Vous mettez de l'eau dans un verre et vous prenez du papier. Là, vous mettez ça à l'envers. Puis là, oh, miracle, le papier tient. Mais ça, c'est très facile à faire. Je vous propose quelque chose d'encore plus difficile pour exprimer la tension de surface de l'eau. Alors, c'est très simple. Vous prenez une espèce de linge à vaisselle, comme ça, que vous mouillez. Alors, vous le mouillez avec de l'eau, comme ça. Le lien avec l'actualité, c'est peut-être canicule, non? Oui, c'est qu'il fait très chaud, puis c'est mieux de bien s'hydrater. C'est fort. Oui, alors, vous prenez votre coupe et vous la remplissez d'eau à ras-bord. D'accord, complètement, comme ça. Complètement. Oui, oui. Et vous dites à vos convives, pensez-vous que moi, je suis capable de faire passer de l'eau à travers un linge? Les gens disent non, des linges. Ils ne sont pas capables de faire ça. Oui, alors, vous mettez ça de même, puis vous dites, ben oui, regardez, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Mais là, vous dites, je vais transformer le linge en quelque chose qui ne fait pas passer l'eau. Ah, et là, donc hermétique? Oui, hermétique. Alors, vous mettez de l'eau à ras-bord comme ça. Une fois de vous plus. Vous prenez le linge comme ça, ici, et vous le placez amoureusement sur la coupe. Je vais-tu la voir? Oui, très bien. Alors, comme ça, ici. Et là, ça devrait pas passer. Vous tenez ça de même, et grâce à la tension de surface, ici, vous renversez la coupe. On connaît bien la tension de surface. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, merveilleux, le linge est hermétique. Et là, vous lâchez tranquillement ça et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? La coupe ne coule pas. À peine. Et vous voyez que c'est dû à un phénomène qui s'appelle la tension de surface. Et c'est même très difficile. On peut faire ça avec le vin rouge aussi. On peut faire ça avec le vin rouge. J'allais avoir beaucoup de plaisir. Bon, parfait. Là, sûrement, il y a un mononcle qui va dire, ben, Stéphanat, explique-nous donc comment ça se fait qu'un bateau en fer, ça flotte. Ouais. Et là, vous allez chercher la plasticine de votre petit garçon, ici comme ça. Et vous regardez le mononcle et vous lui dites, devant le plat à vaisselle, « Si je prends la plastine, je la garoche dans l'eau. Que va-t-il se passer? » Alors, elle va caler. Oui. Exactement, elle va caler. Et ça, c'est à cause de la poussée d'Archimède. Mais si vous prenez la même plastine, vous les fouillez. Il pense aux impôts, là. Oui. Non, je pense pas aux impôts. Non. Oui, et là, vous en faites un petit rabat, une espèce de cendrier comme ça. Oui, qu'on pourrait fumer une chiade dedans. Ouais, ben ça, c'est ta vie. Ça, bon, si les gens veulent fumer oui, à la comme maison. Ça, et vous le placez vraiment comme ça, et vous l'installez comme ça. Vous allez voir qu'il y a exactement la même masse. Et la poussée d'Archimède, c'est très simple, c'est que ce n'est pas seulement le poids, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air. Et l'eau pousse, et le cumulatif de l'air à l'intérieur et du métal fait que c'est toujours plus léger. Ah, c'est pour ça que tu as toujours la tête à la surface de l'eau. Exactement. Ah, et là, je suis sûr que vous me dites, ah oui, il fait d'autres choses pour ne pas faire partir sa maudite fusée. Ben oui, c'est ça, sans plus tarder, Alors là, voici la fantastique fusée. Elle fonctionne aussi avec de l'eau. Alors, vous allez voir, elle est ici. Alors, c'est le principe des fusées, c'est très simple. Hein? Il faut qu'il y ait une poussée et il faut que cette poussée-là soit assez loin du centre de gravité comme ça. Et moi, c'est une fusée à pression d'eau. Donc, j'ai mis de l'eau dans une bouteille, un 2 litres de 7-Up, et je vais pousser de l'air dedans. Et grâce à l'eau, il va avoir une poussée assez longue pour que la fusée parte en orbite dans le décor de Radio-Canada. Je l'aurais fait dehors, mais on n'a comme plus les budgets. Oui, c'est ça. Donc, tout ça en moins de 30 secondes, ça va partir. Non, mais tu fais moins là, bien que garde, là, je pompe de l'eau. Là, on voit l'eau, ça évidemment. Va partir en mix à la 3, excellent. Ça va là, partir en baptême, tu vois. Ah oui, ah oui. Mais il faut que ce soit ce soir, là. Hein? Sinon, c'est un... En attendant Ben Laden, je joue du violon puis je m'en viens bon.
suave, bel homme, bête de sexe. Oui, on peut dire tout ça de moi. Pour ce qui est de notre prochain invité, il est pas grand, puis il est comique. Mesdames, messieurs, l'incomparable Alex Perron! Bonsoir. Bienvenue. J'ai amené mon urine. On va la tester. On va la tester. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas de testostérone, ça, c'est sûr. Okay. Bonsoir, Alex, et bienvenue. On sait que tu es un osseur notoire. Oui. On a lu tes chroniques. Alors, on t'offre une bière et puis toi, on t'offrait la 10% d'alcool. Oh, à la paille, si tu veux. Merci. Parce que tu viens aussi de la campagne, fait que ça ne t'est même pas étonné. Laissez-moi en prendre une grande lampe. Oui, les gars, vous aussi. Oui, merci. Écoute, Alex, on voudrait savoir. Bien baraté. Alex, tes projets pour en fin de semaine? En fin de semaine, je serai au Festival du cochon. Pour vrai? Oui, de Sainte-Perpétue. C'est pas la première fois. C'est pas une blague. Non. Qu'est-ce que tu fais, là? Eh bien, je graisse le cochon pour les bâtiments. Non, nous animons, moi et Jean-François Barry, la course du cochon, c'est-à-dire que des gens comme vous et moi se garochent. Surtout comme toi. Oh, c'est une très surprise. Des gens ordinaires, là. Des gens comme monsieur et madame tout le monde. Okay. Du public, madame qui est là pourrait venir. D'accord. Mais d'où ça vient, cette passion pour le cochon graissé? Eh bien, c'est surtout le fermier, moi, qui m'a séduit rapidement. Et puis, il élevait le cochon, donc... Qui prend mari prend cochon. Mais oui, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va jouer à quelques arpents de Perron. Ça vous tente-tu, les gars? Oui, absolument. Quelques arpents de Perron. C'est-tu agricole à ton goût, ça? Oui, c'est toutes des questions faciles sur ta vie. Les gars, vous pouvez jouer du Zamfir dans votre grosse bière si jamais vous connaissez la réponse. On va faire catégorie géographie. Alex, dans quel village Alex Perron a-t-il vécu jusqu'à 5 ans? Oui. Petite rivière Saint-François, Port-au-Percy ou Varadero? Port-au-Percy. Port-au-Percy, exactement. Ben oui, et c'est écrit dans ma recherche chaque samedi soir. Tu gigas en regardant la soirée canadienne. Oui. Des images. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non. On aimerait ça que tu le fasses, par exemple. Oui, mais je peux pas. Okay. J'ai ma manche en plastique. Alors, on vérifie si t'es un gars de la campagne avec des petites questions faciles, Alex. Tu nous connais. Oui. OK. Sais-tu comment tondre? Tondre une brebis, bien sûr. Sais-tu comment traire une vache? Oui. Sais-tu comment inséminer une jument? Oui. Oui. Sais-tu comment entailler un érable? Tout à fait. Oui. Peux-tu prévoir la température de n'importe quelle autre façon qu'en regardant Jocelyne Louin? Non, mais grâce à ma hanche en plastique, oui. Tu la sens? Oui. Oui. Si je te donne un fusil, peux-tu revenir avec le souper? Oh, facilement. Oui. Ah, oui. Tes vieux souffles cassés sur la galerie? Oui. Avec deux bancs de voiture. Bien sûr. Oui, t'achètes ta tâche des petites cacanes aussi comme poubelle. Tout à fait. Oui. Sais-tu comment réparer un moteur de tracteur? Oh, les doigts dans le nez. Ah, oh, ça ne donne pas. C'est tout vrai, ça, ce que tu dis. Je lui pose des questions. Ça a trois pistons, c'est tout ce que ça a. Oui. Je vais prendre une lampée. As-tu déjà eu un kick sur un membre de ta famille immédiate? C'est normal, j'ai de la campagne. Oui. As-tu déjà eu un bébé avec un membre de ta famille immédiate? C'est normal, j'ai de la campagne. Et puis, as-tu des nouvelles récentes de M. le curé? Oh, que oui. Comment va-t-il? Il fait sa visite paroissiale tous les dimanches. OK. C'est sympa. OK. Catégorie stéréotype. Oui. Ça te dérange pas? Ben, non. Dans les mecs comiques, comment surnommait-on Alex? Est-ce qu'on l'appelait le macho, le jeune, le fif ou le jeune fif macho? L'avant-dernier, le fils. Ils sont pas capables de le dire. Mais non, ils ont pas le dire. Mais non, ils ont comme... Mais c'est pas la semaine pour le dire. Mais voyons. Au contraire, c'est la semaine. Allez danser un peu, bien sûr. C'est très stéréotypé, là, comme description. Ben oui. La semaine dernière, un des membres du groupe NSYNC a rendu public son homosexualité, tu le sais. Je t'en doutais. Je savais, voyons donc. Tu l'avais deviné? Pendant que tu répares un tracteur. Ben oui, tout en dépeçant un poisson avec mes dents. J'ai dit, voyons, on le savait, lui, qui était gay. Toi, t'étais le gay des mecs comiques. Là, si on part du principe que ça prend un gay par groupe, je vais te nommer des groupes, tu vas me trouver le gay immédiatement. Qui était le gay dans Les Beatles? Ringo. Dans Blanche et les sept nains? Le nain fatigué. Oh oui. 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 Sleepy, Sleepy Nain. Oui. Dans les Spice Girls? La petite grosse, là. Non, ça, c'est l'ami des gays. Baby Spice? Non, Baby Spice, on l'aime pas. La noire. Okay. Victoria Poche? Non, ça c'est la noire de teinte, je veux dire. Ah oui, oui. Qui s'appelait Spice Noir. Mel B, on nous souffre Mel B, là, ici. Non, Spice Noir. Qui était le gay dans Symphorien? Ils étaient tous gays. Ah oui? Rem était gay. Ben là, il avait 40 ans, puis il vivait en maison de pension. Ben oui, c'est vrai. Il y avait du fun en maison de chambre. Ephraim torchait des planchers. Bon, y a-t-il un autre test? Oui, qui était le gay dans Star Trek, Alex?
D'après les oreilles, là. Ça, c'est vrai, c'était le lieutenant Sulu. Oui, il l'a annoncé. Le chinois, il l'a dit, oui. C'est pas M. Spock qui refoulait tout? Ben non, il n'y a pas d'émotion. Nous, on est prêts de nos émotions. Okay. Ouais. Et les garçons, catégorie geek, combien de figurines, de personnages de science-fiction comme Star Trek, Star Wars, Alex possède-t-il? Ils ont tous, ils trippent sur les figurines de Star Wars. Donnez un chiffre. 1000, j'ai trop, hein. 850. 200, d'abord, 142. On est au-dessus de 400, là. Ben, bravo! Tu les repasses souvent, non, mais tu les époussettes? Non, mais je joue avec une fois de temps en temps. Mais t'es-tu un maniaque qui les jachète et qui les déballe pas pour qu'ils valent plus cher plus tard? Non, moi, je suis un imbécile, je les déballe. OK, donc oui. Alors, ils perdent toute leur valeur. Mais va plus loin, Alex. Dis que tu joues avec en déjeunant aussi. Oui, ça m'arrive. Et plonge dans tes conflits. Oui, je fais des scénarios. Oui. Et là, maintenant, j'ai un furet et c'est une bête venue de l'espace qui attaque mes figurines et je dois les défendre. Mais ça va bien, on sent que ça. Ça va très bien. Des vacances, non? J'ai la poupée Jean-René que j'ai aussi parce que je leur donne des noms. Thérapeutique. Mm-hmm. Il y a une poupée, Jean-René. Une Bubblehead. Oui, c'est un monstre avec la tête bleue. Que j'ai donné. Je suis pas un Jedi. Ben non, t'es malade. T'es pas assez fort pour être un Jedi. On ne sait pas si t'es inspiré de Jean-René aussi, mais tu vas animer à Musimax une émission qui va s'appeler Mode en vedette. Oui, la tout à fait. Nous irons chez nos vedettes. Merci, Alex. Si je suis du fort aussi. Oui. Oui, à la radio, c'est quoi avec Jean-René? Je presse Jean-René à tous les matins. Ben oui. Merci beaucoup. Hey, merci. Merci. La semaine prochaine, la grande visite aussi, on a Ricardo Larrivée et on soit André Boisclair qui va être là. Ah, mon Dieu, c'est encore votre semaine qui se prolonge. Ben oui, alors, bonsoir au monde. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne semaine. Il sort pas souvent. Il a été remplacé là, par son frère Raoul. On peut le voir, Raoul. Raoul. Ici, ouais. Donc, c'est Raoul Castro. C'est là, à droite. Bon, on voit pas le même charisme, hein, quand même. Non, ce n'est pas la même prestance. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Exactement, dans les jumeaux. Donc, c'est Raoul qui va prendre la relève. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Mais Fidel va revenir assez vite, vous savez, parce que Fidel aime ça rayonner, aime ça faire parler de lui. Ben, vous savez, il n'est pas sorti très souvent, Fidel. Et la dernière fois qu'il est vraiment sorti à l'extérieur de l'Amérique latine, c'est quand il est venu au Canada. On l'a vu, d'ailleurs, c'est une des rares fois qu'on l'a vu sans son habit kaki. C'était pour... En hommage à Pierre-Éliott Trudeau. Ben oui, à son décès en 2000. Et là, vous allez me poser la question, Fidel Castro, est-ce qu'il est si peu en forme que ça? Bon, ça se peut. Mais Fidel Castro avait, d'ailleurs, la moyenne de temps des discours de Fidel Castro, c'est combien? Ben c'est assez long, là, paraît-il. Fidel Castro adorait faire des discours très longs. On parle de discours de 13 heures et de 8 heures de temps de parler de révolution. Population otage. Et on le soupçonnait un peu fatigué parce qu'en Argentine, dernièrement, il a... Il a décidé de changer le slogan de sa populaire campagne de publicité, le Toarino, ceci. Ah. Et à noter, la dernière fois que le Canada nous a envoyé ses déchets, c'était ceci. Ah! Et voilà, nouvelle internationale maintenant. Bouleversement du côté de Cuba cette semaine. Une page d'histoire est en train de se tourner du côté du pays du cigare et des tout inclus. Le président Fidel Castro file pas fort et a remis le pouvoir à son frère, n'est-ce pas, Jean-René Dufort? Ben, oui. C'est ça. Ben, j'invite à ne pas tuer le Castro avant de l'avoir opéré. Parce que souvent, dans les journaux ce matin, on s'est rendu compte qu'on le tuait peut-être un peu trop vite. Et je dis à la population, faites attention, parce que Fidel Castro est un homme extrêmement tenace, rigoureux, et il est fait fort en maudit. Âgé, mais solide. Il va avoir 80 ans le 13 août. 80 ans. D'accord. Et il est extrêmement en forme. Écoutez, bon... L'ONU, elle regrette plus, là. Elle fait un app, elle dit... Ben là, hein, toi, oh, frère. Ça, c'est sévère, ça. Donc, on note à la maison 500 victimes, R. Ben là, là. Boing. Alors, ce n'est que pour 100 000 victimes et plus que l'ONU peut enfin dire, et je cite... Colin, là, c'est plate, on fait pas ça, c'est pas correct, hein? Oh! Boing. Voilà, vous pourrez maintenant sûrement mieux comprendre l'ONU. Sur la scène nationale maintenant, ben, excellente nouvelle pour le fédéralisme. On s'est beaucoup plaint au cours des derniers mois que le Canada ne transférait pas suffisamment d'argent vers le Québec. Alors, le premier ministre Jean Jarrett lui dit, et je cite,
l'Ontario, elle nous donne même pas rien. Oui. Eh bien, ces revendications ont finalement porté fruit. En effet, on apprend que le quotidien The Gazette nous apprenait ce week-end que 150 000 tonnes d'excréments de l'Ontario seront exportées au Québec pour être traitées chez nous. Hey, c'est-tu pas un beau cadeau, ça, des trucks remplis de kika ontariens juste pour nous autres? Alors, si avec la péréquation, on nage encore en plein déséquilibre fiscal, on peut maintenant dire qu'on a bel et bien l'équilibre fécal. Alors, à la suite de cette nouvelle, l'Ontario... C'est Pierre Brassard qui vous souhaite la bienvenue à En attendant Ben Laden, votre divertissement hebdomadaire sur l'actualité et la vie. Avec moi, mes amis, mes collaborateurs, c'est mercredi. Jean-René Dufort en forme! Ah, écoute! Es-tu en forme? Pierre, regarde-moi à face puis prends des notes. Oh, je prends des notes tout de suite. Tant à la mort en forme! Prends des photos, fais ça chez vous. Excellent! Oh. Alors, place aux variétés Brassard! Une cassette. C'est toujours la triste situation au Moyen-Orient qui retient encore notre attention. En effet, ben, ce week-end, dans la ville de Cana, au Liban, ben, il y a un raid israélien qui a fait plusieurs victimes des civils, dont une trentaine d'enfants. Et malgré ce grave fait d'armes, incroyablement, l'ONU refuse toujours de condamner ces gestes, les qualifiant plutôt de décevants, dommageables et autres synonymes écrémés, light et sans sucre, ni gras trans. Alors, pour vous aider à mieux comprendre le lexique moumoune de l'ONU face aux tragédies, on a créé un petit aide-mémoire. Alors, à la maison, là, on va chercher un papier, un crayon, puis on commence tout de suite. Alors, bon, par exemple, quand un bombardement fait 10 victimes et plus, l'ONU trouve ça déplorable, donc tu... OK, ça, seulement déplorable. Il déplore, OK? Alors, poing! À 50 victimes et plus, l'ONU trouve ça regrettable, donc on regrette, tout simplement. C'est regrettable. À 500 victimes et plus...